Ça me fait très plaisir d'être là. Nous sommes République avec un K. Le groupe, oui, né en 2010. Xavier Géronimi et moi-même, on avait travaillé ensemble en studio pendant des années avec Étienne Dao et tout un tas de gens, et on s'était dit que ce serait intéressant un jour de faire un groupe de rock. Mais c'était un peu pour le fun. On a pris un jeune chanteur, des musiciens, et la formule a duré 2 ans, le temps d'un 6 titres. Et puis en fait, je suis passé au chant, toujours sous le nom de République, j'ai changé tous les musiciens et j'ai pris ceci. Qui est maintenant dans République, et donc ce qu'il a amené, c'est important sur les titres sur lesquels il joue. Et Robin nous a rejoint après l'album et sera sur le prochain. Et en fait, l'identité de République, c'est vraiment ces 5 personnes. Il y a Eva à la basse et Stéphane à la guitare, qui sont pour beaucoup dans ce son. Toutes les expériences sont bonnes à prendre. On évolue toujours en se mettant aussi à des endroits qu'on connaît pas. Du coup, on s'est rencontré avec Franck. Bah, on a bu un coup, on a discuté. Et ben voilà, c'était parti. Oui, c'est vrai qu'en fait, je pense que ça s'est surtout fait aussi parce qu'on s'entendait bien. Ça part de quelque chose de foncièrement évident et humain, et dans un truc, bon, bah ouais, on va faire un truc ensemble. Moi, je crois, j'ai toujours cru, dans toutes mes expériences, à l'apport de tout le monde, donc il n'y a rien de didactique. On a pu vérifier une espèce de légende qui courait, que Tina Weymouth, c'est de la bassiste de Talking Heads, était d'origine bretonne. Et on l'a rencontrée un jour du côté de Paimpol, puisqu'elle vient là tous les ans. À partir de là, on est devenus copains. Elle est mariée avec le batteur de Talking Heads, donc Chris France. Je suis allé les voir aux États-Unis. Et quand on était en studio en novembre l'année dernière, ils sont passés nous voir, puisqu'on enregistrait pas très loin de chez eux. Elles suivaient le projet depuis longtemps, ils ont écouté, on a dîné tous ensemble, et je lui ai demandé à elle et à Chris s'ils joueraient sur le disque. Et en fait, ils ont enregistré des États-Unis, et comme le week-end où ils ont enregistré, il y avait Wendy James, la chanteuse de Transvision Vorm, qui était chez eux. Elle a fait les chœurs aussi, donc on s'est retrouvés avec une arrivée comme ça d'invités sur un morceau qu'ils aiment beaucoup et qu'ils aimeraient qu'on démarche auprès des radios étudiantes américaines. Après, il y a James Chance, donc la même époque séminale new-yorkaise. Et James, je le connais un peu parce que j'ai produit un de ses albums. Et de fait, un saxophone était indiqué, et voilà, plutôt que de faire appel au saxophoniste de Marquis Sade, je me suis dit allons chercher le pape de la No Wave, donc James est venu. Dans la foulée, Ivan Julian, le guitariste qui a un vieux copain, le guitariste de Richard Hell, est venu jouer aussi sur un titre. Donc voilà, on a un peu la quintessence de New York fin des années 70, début des années 80. Sans que ce soit un album nostalgique, avec nos jeunes amis, si on reprend tout ça, très à l'aise. Pas oublier Yann Tiersen non plus, qui a fait une partie de violon psychédélique sur le morceau qui clôt l'album. Alors, mais ça reste l'axe atlantique, puisque lui, Yann, a enregistré à Ouessant, donc pareil, en direction de New York. Donc il y a une sorte de logique géopolitique dans cette affaire. Les textes en général évoquent des personnages un peu troubles ou troublés qui ont une approche de la vie et de la réalité un peu. Des personnages qui ne sont pas toi. Non, qui sont probablement des extensions, mais je me trouve tout à fait équilibré en comparaison des destins que je décris. Les chansons me permettent de visiter des personnages que je n'aimerais pas être dans la vraie vie. Je pense que c'est un regard. Un peu sombre sur ce qui pourrait être le destin de certains d'entre nous dans les années à venir, mais malgré tout, il y a de l'espoir, il reste de l'espoir quelque part.